Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, moi ça va super, on se retrouve sur The New World pour la mise à jour Sulfure, ça y est, enfin, elle est là, et on y est parti, après eh bien une longue attente, ça devait être, là on est en stream, ça devait être à 16h, c'est finalement sorti à 17h45, donc 1h45 de retard, mais ça y est, elle est là, on vient juste de se connecter, on n'a rien regardé, on n'a rien ouvert, on voit qu'il y a un petit ping là pour récupérer la quête, et ça va super Kia, hein, c'est clair. Et c'est vrai, ça fait long, 16 mois. 16 mois, c'est quelle régularité. Et merci encore à toi. On va pouvoir ouvrir la carte. Pour cette mise à jour de Sulfure, on rappelle avec une nouvelle quête de l'histoire principale. Une nouvelle arme, l'épée longue. L'événement, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un événement jusqu'au 1er novembre. Tout ça, bien sûr, sera à suivre sur YouTube. Si vous voulez suivre en avant-première, c'est en live, le lien sera dans la description YouTube. Et on est parti, on va tout de suite ouvrir la map déjà pour voir... Faut voir qu'on a un ping ici. On a un ping, on a le chaudron du voile nocturne. Donc ça, c'est l'événement qui aura lieu jusqu'au 1er novembre. L'événement, un peu comme les Mélégies et l'événement de Noël qu'il y avait eu. Donc, le petit événement et donc la quête à récupérer. On va tout de suite dézoomer la carte. Dézoomer la carte pour voir que... Eh oui, elle est là. Elle est là, elle est grande. Elle est grande la zone. Hein. Elle est vachement grande cette zone sulfure. Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de TP. Beaucoup, beaucoup de TP. Donc, ok, à voir. On a donc une ville qui s'appelle Wikal Alwaha. Ok. L'histoire principale qui a récupéré et toutes les quêtes. Oh, 40 000 quêtes et des nouveaux TP. Ah, il y a des TP partout. Ok. Ok, ok. Les donjons qui ont changé un peu de visuel. Ok. Intéressant. Oh là là, on va s'éclater les amis. On va s'éclater. Alors on va récupérer les quêtes. Et puis on va voir tout simplement où ça nous emmène. Alors après je sais pas. Alors il y a quoi comme quête? Ça c'est quoi? C'est quête disponible. Ça nous dit pas quel type de quête c'est. On va dire récupérer celle-ci. On va laisser récupérer celle-ci déjà. Les amis. Oh là, je suis tellement hype, ça y est, on y est. Alors, je sais pas si on va aller dans la zone tout de suite. On va... Ah, pardon, je sais pas si... J'étais dans le micro, je sais pas si c'est entendu. J'allais dire, je sais pas si on va aller tout de suite dans la nouvelle zone ou pas. On va voir ce que les quêtes nous réservent. Alors ça, c'est la quête de l'événement. Ok, c'est une quête d'événement, ça. Salvatore, c'est le perso principal de l'événement actuel. Oh, beaucoup de choses, beaucoup. Les monstres sont pas rares en Aeternum. Oh, pas comme Balfazou, marquis de l'effroi. Cette créature blasphématoire a jeté une terrible malédiction. Il faut l'arrêter avant qu'elle fasse de cette île un cauchemar vivant. Le cauchemar. Hop, je vais monter un peu le son. Hop. Quel genre de malédiction? La Maledicta Figarum. Malédiction des formes. Cette ville sorcellerie transforme des citrouilles ordinaires en créatures appelées citrouillites. Ce sont les sbires infernaux de Balfazou. Donc vous l'aurez compris, c'est l'event d'Halloween. Bon, on pouvait s'en douter. Parce qu'au 1er novembre, hein. Vous pouvez s'en douter que c'était l'event d'Halloween, mais c'est bien confirmé. Les citrouillites, donc comment arrêter ce démon? Le secret. La forme physique de Balfazou doit être détruite, et son essence putride jetée dans le chaudron du voile nocturne. Allez affronter cette abomination. Accepte la quête, bien entendu. Triomphez de Balfazou et rapportez-moi son icor pour obtenir une récompense. Il n'y a que vous qui puissiez mettre un terme à sa quête de destruction. Alors, qu'est-ce que le voile nocturne? C'est une saison de mystère et de changement. L'époque à laquelle les ombres et les spectres se rassemblent. Dans cette période, les gens décorent leur foyer de citrouilles illuminées et portent des masques terrifiants. Pourquoi font-ils cela? Mais pour éloigner les citrouilles, pour leur faire passer le message. Il n'y a pas mieux qu'exposer fièrement
la dépouille éviscérée de leurs œufs. Et ça fonctionne ? Si quelqu'un vous vidait la tête et l'exhibait sur son seuil, vos amis n'auraient pas envie de s'approcher, si ? Triomphez de Baal Fazou et rapportez-moi son icor pour obtenir une réponse. Il n'y a que vous qui puissiez mettre. Alors, il faut aller où ? Il faut aller où ? C'est même pas indiqué. La chute de Baal Fazou. Ok, donc c'est en violet. C'est en violet sur la map apparemment. Bon, je vois pas de ping violet. Alors c'est quoi le plus court pour y aller là? Bah c'est de ce... bah, c'est de là où on est hein, finalement. C'est de là où on est. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on récupère toutes les quêtes et après on voit ce qu'on fait? Ah je sais pas par où commencer les amis. Je sais pas par où commencer, c'est terrible. C'est terrible, je sais pas par où commencer. Fais voir un peu le... Est-ce que là, du coup, on est à... Ah, putain. Là, c'est quoi la quête? Le casier et mettre un terme à l'ascension de Baal Fazou à Buckler. Voir les trames au Val d'Herme. Ok. Donc ça, c'était l'event. Ouais, trop de trucs, il y a trop de trucs. Moi, je serais d'avis qu'on se TP là. On va récupérer la quête casque. Je pense que si la quête elle est là, cette quête là, à mon avis, c'est une quête high level. Oh là 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 là. J'ai tellement hâte d'y aller. J'ai tellement hâte. Voir ce que ça va donner. Alors, la quête là. Plus balle. Alors, balle, c'est quoi du coup? C'est nouveau. Vous avez réussi. Bien. Votre réputation vous précède. Et nous avons besoin de votre aide. En plus de la menace que posent les soldats de la tempête, nous avons appris que la Légion d'Altéré à Sulfure se prépare à attaquer la capitale de la Nouvelle-Corse. Les civils fuient la région en masse en prévision des combats. Est-ce que je peux vous aider? Bouaoui, un autre protecteur des âmes, organise l'accueil des réfugiés et les aide du mieux qu'il peut. Mais je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis un certain temps. J'espérais que vous puissiez aller le voir. Et il y a un hic. Le désert est infranchissable pour une personne qui n'est pas habituée à la rigueur de son climat. Comment puis-je le franchir ? Vous devrez amplifier les pouvoirs de protection de votre joyau de cœur. À partir d'un mot de Jonas, nous avons pu reconstituer la formule du Serra adéquat. Je crois que... Oui, il s'agit bien des ingrédients nécessaires. Préparez et utilisez le Serra du désert. Permettra de traverser les dunes sans problème. Ensuite, trouvez-vous à oui, je vous prie. On accepte la quête, bien entendu. Et c'est l'histoire principale, du coup. Trouvez les ingrédients pour le serra des déserts. Récupérer bête pic de givre au centre de la grande faille. Récupérer l'huile de poisson. Donc c'est la quête principale, du coup. Ok. On va faire le tour, on récupère toutes les quêtes. Ça, après, on voit ce qu'on fait. Sinon ça peut être pas mal, on va récupérer toutes les quêtes. Ah oh, même les nouveaux artworks sont grave stylés, je trouve. Alors ici. Ça a l'air d'être à l'auberge. Ça serait par là. Vous là, vous avez vu les forces altérées qui poussent depuis le nord. L'avant-poste d'Isburn dans la grande faille est désormais derrière les lignes ennemies. Je crains que leur morale soit au plus bas.
Vous n'avez reçu aucun rapport? Non, ce qui m'inquiète, Ingram Kent, l'aubergiste d'Isbourne, envoyait régulièrement des dépêches jusqu'à ces dernières semaines. Je crains que ces messages n'aient été intercités par les forces altérées retranchées à Faille Perfide. Je vais aller enquêter. Bien, j'espérais que vous porteriez volontaire pour cette mission. Explorez Faille Perfide à la recherche des dépêches de l'avant-poste, et si d'aventure vous en trouvez, apportez-les à Kent l'aubergiste pour l'avertir. J'espère que vous réussirez pour le bien de tous à Isbourne. On accepte la quête. Qu'est-ce que c'est? C'est où Faille Perfide, mais je sais pas quoi là. Ah, ok. Niveau 42, ça? On va stepper là. On va stepper là. Bien entendu. Alors là. À full quête. 20 pièces, seulement 20 pièces pour une fiole de l'élixir d'Anvir. 35 les deux fioles et encore moins cher pour les clients fidèles. Vous, là, que diriez-vous de retrouver la vigueur et la beauté de votre jeunesse? Ça m'a l'air peu probable. Chut, pas si fort. Vous voulez que les gardes me tombent dessus ou quoi? Écoutez, il faut bien que je gagne ma vie. Je ne fais de mal à personne, promis. Ce que je vends ne ferait pas de mal à une mouche. Ah, l'escroc. Pourquoi devrais-je vous croire? Je vais vous dire comment je prépare l'élixir, et vous verrez par vous-même. Il me faut seulement une corne de bélier bien solide, et un foie bien frais. Allez, ce n'est pas la mer à boire. Vous aurez même droit à une part des bénéfices. Voilà. Et on gagne une lame, donc l'épée... Non, c'est pas l'épée... Si, c'est l'épée à deux mains. Je sais pas. On a fait la quête. Et salut Hugo Boss, comment tu vas? Moi, bah, ça va, super. Ultra hype, puisque, eh bien, on découvre enfin cette mise à jour. Cette la mage sulfure. C'est juste trop trop bien. J'ai trop hâte d'aller dans la nouvelle zone. Pour l'instant, on vient de commencer, on récupère toutes les quêtes. Et après, on ira sûrement faire un petit tour dans la zone, dans la nouvelle zone qui s'appelle Bal, apparemment, parce que je vois dans le chat, tout le monde écrit plus Bal, donc ça doit s'appeler Bal, du coup. Et enfin, ma Xbox Series S. Ah ouais, ah, tu m'étonnes que ça doit pas être la même. Tu m'étonnes. Bah moi, j'ai la PS5, j'ai eu la chance d'avoir la PS5 depuis très longtemps. Et pareil, tu vois tout de suite la différence. Très clairement. Hop. Allez, le donneur de quête, il est là. On continue à récupérer les petites quêtes. Laissez-moi tranquille. Pourquoi me traîner jusqu'à la ville? Quoi que je fasse, rien ne changera. Ce sont tous des voleurs, des pirates et des meurtriers qui n'ont pas la moindre pitié pour une pauvre âme. Vous baissez les bras? Je devrais. C'est ce que je ferais s'il n'y avait pas ma douce Polly. Ses affaires dépendent de l'hydromel que je lui apporte. Mais je ne suis qu'un porteur. Je ne peux rien faire pour empêcher ces maudits pirates de me dépouiller et de me poignarder au passage. Arrêtez de compter. Ne perdez pas espoir, je vais aller chercher votre hydromel. L'espoir est cruel en Eternum, vous savez. Vous allez vite l'apprendre à vos dépens. Partez. Allez jouer au héros inconscient, si c'est ce que vous voulez. Je serai peut-être encore là quand vous reviendrez. On accepte la quête, bien entendu. Maintenant. Alors, on va pas faire les quêtes maintenant, même s'ils sont pas très loin. On les fera un peu plus tard. Là, on récupère juste les quêtes. Par contre, je suis dégoûté, le MMO que je voulais reprendre ferme en novembre. C'est lequel? C'était quoi? Qu'est-ce qui ferme en novembre? C'était Blessé Unleashed. Bless Unleashed. Ah oui, je crois que tu m'en avais parlé, je crois, déjà de ça. Mais je connais pas du tout.
Mais je crois que tu m'en avais parlé, ouais. Je crois. Ça me dit quelque chose, ça. Je pense pas qu'il y a 36 personnes qui m'en aient parlé, qui doivent ça, donc. Je pense que ça doit être toi qui as dû m'en parler. C'est moi ou ça lag? C'est toi, parce que j'ai pas de perte d'image et mon jeu est à 80 FPS. Je tourne à 80 FPS. Donc c'est toi. Que j'ai pas de perte d'image, je suis au max sur Twitch. Donc ça vient de chez toi. Merde, il est où le mec? Monsieur, vous êtes où? Bah, ah, il est dans la maison. Dégage. Lorsque vous prenez le papier et que vous l'approchez de la lumière, vous réussissez à lire quelques lignes de texte. Superiora de inferioribus, inferiora de superioribus. Bon, c'est du latin, mais c'est supérieur, supérieur de l'infériorité. Et inférieur à la supériorité, un truc comme ça. Je pense que c'est Twitch qui déconne. Ah, peut-être, ouais. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas de. J'ai zéro perte d'image. J'ai zéro perte d'image et sur les KBPS en ligne, je suis au max. Donc, et même en image ralentie, j'ai quasiment rien. J'ai pas d'image ralentie non plus. Donc, ouais. C'est que c'est Twitch qui. Une espèce de respect alchimique? Vous recopiez soigneusement le texte lisible sur le bout de papier, mais seul, il n'a aucun sens. Il vous faut plus d'informations pour le comprendre. Donc cette plaquette, hein. Oh, faut le faire direct. Oh la giga flemme en vrai. On va récupérer le point de transfert qui est là. Qu'est-ce que c'est ici? Bon, ami YouTube, pour ce premier épisode, je pense qu'on n'ira pas dans la nouvelle zone sur ce premier épisode, parce que vu tout ce qu'il y a récupéré, ça sera un premier épisode, on récupère les quêtes. Mais c'est important pour le lore. Enclave de l'ombre. Oh. Grave stylé en vrai. Ah, mais c'est le... Ok, c'est un endroit pour... Bah pour faire je sais pas quoi d'ailleurs. Réserve dédiée aux arts obscurs. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ok. C'est une zone safe en tout cas. Est-ce que c'est pour l'événement ou est-ce que c'est un nouveau type de... Ouais, c'est quoi du coup? Enclave de l'ombre. Niveau recommandé 20. Il y a quand même des mobs, ça veut dire? Comprends pas tout. Ok, bon. Ça servira sûrement un peu plus tard, on verra. Perplexe. Perplexe. On va où? On va là. On va se faire le petit tour, hein. On va se faire notre petit tour. Ah, mais il y en a un autre point de TP là. Bon, on ira après, on va faire le petit tour là, on va aller là, et puis... J'ai mon petit chemin. J'ai mon petit chemin. Ah putain, je sais pas combien de temps est lancé les VOD. Au pire, je ferai une longue VOD récupération de quête pour YouTube. Bal is Venom, bus crème solaire. Mais quoi c'est... Par contre, les noms FR, hein, bus crème solaire. What the fuck, hein. Ça, c'est magnifique, hein. Le bus crème solaire. Ah, le FR, il est magnifique, hein.
Oh là là là. Ça me fume. Je pense qu'on va aller récupérer lui avant. Ouais. La pure Google Trad. Ah bah clairement là le mec dans le chat il s'est pas fait chier. Puis comme c'est des nouvelles zones, quand c'est des nouvelles zones, forcément qu'il n'y a pas de nom. Enfin on va dire. Je l'ai l'air de nom officiel, mais c'est pas vraiment des noms officiels, mais de nom que tout le monde utilise et tout ça. Donc c'est assez marrant du coup. Je pense que les gens essaient de se faire comprendre en tentant des trucs et c'est drôle. Allez, le petit point de TP. Après, on va aller là. Bon, ils ont mis full TP maintenant. C'est hallucinant. Ouais, je me rends pas compte. Ouais, c'est quand même beaucoup de TP à récupérer. C'est quand même... dingus, tout ça. Hein. De toute façon, on voit pas trop de mobs, on se balade. C'est la petite, petite VOD balade, là. Ah, du coup, j'ai trop envie d'aller voir, là. Je vois tout le monde qui va voir, qui fait plus balles. J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Mais bon. Soyons patients. Et où la start quête pour l'ombre, pour assez sulfure, s'il vous plaît. Chariot de mine abandonnée, inspecté. Le propriétaire de ce chariot embourbé est introuvable. Il ne reste rien de la cargaison, si ce n'est quelques papiers poussiéreux et des morceaux de pierre. Inspectez la page poussiéreuse. Le parchemin très abîmé est manifestement une carte tracée au fusain du nord-ouest de Haute-Chute, une section de la vallée rocheuse qui y est entourée plusieurs fois, ce qui semble témoigner d'une découverte intéressante. Bon, bah, c'est la quête, hein. Acceptons la quête. Alors encore une fois, on ne va pas faire la quête tout de suite. On va aller récupérer la quête ici. Alors récupérant les points de TP, on sera pas trop loin des quêtes à chaque fois. Donc ça va. Ça va. Randonnée Simulator. Ouais, c'est à peu près ça. Bah de toute façon, quand t'as une grosse match qui sort comme ça, en général, le temps de récupérer toutes les quêtes. Donc là, mine de rien, ils en ont quand même rajouté beaucoup, hein, tu vois. Il y a quand même beaucoup de quêtes à récupérer. Et là, après, on a toute la zone là à faire. Toute la nouvelle zone à découvrir. Donc, ouais, clairement. On va pas se mentir. Avant de commencer les quêtes, on a un petit peu de marche à faire. Mais bon, c'est logique. Après, c'est normal, hein, faut bien débloquer les TP. Ouais, je trouve que ça manque toujours d'une monture quand même. Ils rajouteraient les montures quand même, ça serait vachement bien. Mais bon, je pense qu'il n'y en aura jamais, malheureusement. Sinon, ils les auraient déjà mis, hein, je pense. Alors ça, c'est les... Je crois qu'il y a des nouveaux animaux aussi, les boucs ou je sais pas quoi, il me semble. Donc à suivre, à voir. Alors normalement il y a peut-être Euronce aussi qui va nous rejoindre un peu plus tard. Il était censé être avec nous, mais je sais pas, il se repose, le petit bonhomme. Et je pense qu'il nous rejoindra peut-être dans la soirée. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais live, parce que bon, je travaille demain aussi. Là, vous vous êtes déjà fait mutiler. La mort nous épargne sur cette île, alors pourquoi ne pas tenter de se mesurer un ours? Saurez-vous résister aux crocs acérés et aux griffes aiguisées d'un tueur? Et vous alors? Ça m'arrive presque tous les jours. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée que d'affronter une force de la nature. Avec l'habitude, ça ne me fait même plus mal. Quand j'abats une bête, je ne sens que le goût de la victoire. Pourquoi pas? Où est l'ours le plus proche? Ah, la bonne heure. Il y en a un qui a établi son territoire au nord-ouest d'ici. Et il est redoutable. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez vivre le combat le plus grisant de votre immortalité! On accepte la quête. Alors ça, c'est good. Maintenant... Bah ma foi, on va aller là. Hop. On va aller par là. Et après, pour aller là, il faudra...
Va falloir repasser, redescendre tout là, ok. Hop. On va récupérer le point de TP déjà. Alors, normalement, il y a des nouveaux mobs aussi en dehors de la nouvelle zone. De ce qui était dit. Donc on va voir. Ah, enclave des maraudeurs. Ok. Bon. Oh, on va monter quand même pour voir à quoi ça ressemble. Quand même, on va pouvoir faire les. Même si nous on n'est pas maraudeurs. C'est, oh, c'est stylé de ouf! Oh là là! Ah, ils ont fait des espèces de camps pour les. Pour chaque faction. Ah ouais. Ah franchement c'est stylé de ouf hein. Ah et je suppose que les portes sont peut-être ouvertes si c'est dans la faction. Peut-être. Je sais pas. Ah c'est méga stylé. Je sais pas si ça va avoir une utilité plus tard dans le jeu en termes de. Avec le PVP ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas du tout du tout. Mais c'est quand même vachement stylé. On va pas se mentir. On perd pas d'habitude, on va cueillir un petit peu. Hop. Quand même. Faut que j'écupère le chemin là. Faut que je descende là. Et c'est pareil, ils ont rajouté pas mal de nouveaux lieux aussi. Donc ça va être assez intéressant de voir, de découvrir un peu tous les nouveaux lieux qui ont été rajoutés. Bon là c'est des petits lieux, là c'est niveau 17, donc je m'attarde pas trop, hein. C'est des mobs qui sont... Oh c'est par où? Ah par là. C'est des mobs qui sont très très faibles. Mais ça m'a l'air quand même bien stylé, hein, ce qu'ils ont fait. Ouais, ça m'a l'air quand même bien bien stylé. Voilà, et niveau 17, donc bon, on va pas s'y attarder. C'est des mobs qu'on tue, qu'on one shot. Hein. Regardez, hop. Ouh, coucou. Voilà. C'est one shot. Donc bon. Hop. Oh, ils ont refait la barre de vie, tiens. Marrant ça. Ils ont changé la barre de vie. Donc on va récupérer la quête qui est là, après on fera demi-tour et on fera récupérera les quêtes qui sont par là. Ricker, la ferme de Frischter devrait avoir ce que vous cherchez, des vifs pour tous et pas seulement pour l'élite. Tant que vous faites attention au loup, tout ira bien. Lee. Je me demande ce qui est arrivé à Ricker. En y regardant de plus près, vous remarquez une tache de sang sur la note et on entend le hurlement des loups au loin. Okay. C'est peut-être. Il faut aller là maintenant. Par là. Manger un petit coup. Ah merde, je sais pas si vous voulez. Comme ça, après, on va remonter là. Alors, oh, il va être où celui qui donne la quête? Il est sur la tour. Faut monter. Ouais, faut monter. Bon, bah, montons. Montons, montons. On va se bastonner un petit peu. Il est où? Voilà. Pour le petit coffre au passage. Alors, les obélisques des anciens semblent remplir plusieurs fonctions. Puiser du pouvoir et utiliser ce pouvoir à des fins défensives. J'ai noté deux tours particulièrement intéressantes, l'Orion et le Dragon. WH. Voilà qui m'a l'air prometteur. Dans la marge, vous remarquez des croquis succincts qui semblent représenter de petits dispositifs anciens. Ce WH ouvrira peut-être une récompense généreuse à celui qui lui rapportera ses notes et quelques-uns de ses appareils. On accepte la quête.
Ah mais c'est juste là en vrai. Bon bah on va au moins prendre ça. Où est le Uno? Voilà. Hop, allons par là. Oui, pouf. Ouais, c'est juste à côté, donc autant prendre le petit truc. Les petits trucs. Quête de progression des capacités. Hein? Dans quoi? Caractéristiques. Biographie, maîtrise des hommes. Ok. Donc c'est une nouvelle quête de d'armes, du coup. Salutations. J'ai l'impression que vous venez d'arriver en Eternum. J'espère que la flamme de l'espoir brûle encore en vous. J'ai entrepris la dure quête d'aider les infortunés, mais je suis moi-même dans le besoin maintenant. En quoi puis-je vous aider? Lorsque la ferme des Holcott est tombée aux mains des dévoyés, je leur ai proposé de les aider à récupérer leurs biens. Je suis venu avec le vieux Felden Holcott, mais les flétris étaient trop nombreux. Je n'ai pas eu le choix. Je me suis enfui. Et Felden? Il refuse de partir. Et je suis trop bouleversée pour y retourner. Je vous en prie, essayez de le persuader de partir avant qu'il ne se transforme en dévoyé. Vous devrez le convaincre. Des biens matériels ne valent pas de risquer de perdre son âme. On accepte la quête. Parlez aux réfugiés. Oh, vas-y, juste là. On va lui parler. Il y a des dizaines d'années, presque un siècle, nous travaillions la terre. Les dévoyés nous ont tout pris. Ma famille s'est réfugiée en ville, mais nous n'avions plus rien à part les habits que nous portions. L'initié Florina m'envoie vous parler. La jeune Florina. Cette aventure était son idée. Épargnez votre salive, je ne partirai pas d'ici les mains vides. Peu importe l'argent, je veux nos souvenirs. Si vous m'aidez à les retrouver, je partirai. Je vais vous aider, allez vous mettre en sécurité. Je serai en sécurité ici jusqu'à votre retour. J'ai déjà affronté les dévoyés. Si vous prenez trop de temps, je viendrai en personne. C'est toujours ma ferme, vous savez. Ok. Bien, go à la colonie. Ah, c'est vrai qu'ils ont refait les colonies aussi. Oh là là, ça j'ai trop hâte aussi de voir à quoi ça ressemble. Ils ont refait les colonies. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, franchement, ils ont fait un taf de ouf. Hein. Ils ont fait un taf de ouf. C'est juste trop, trop, trop bien. Ah ouais, ouais, si, c'est stylé hein, quand même. Oh là 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 là, c'est stylé de fou. Même si on va pas en nouvelle zone, on découvre quand même toutes les nouvelles villes et tout ça. Et ouais, c'est des maisons tout en briques et tout maintenant. Je suis curieux de savoir à quoi ressemble ma maison du coup maintenant. Mes maisons. C'est où? Là, c'est à l'étage. Non, c'est où? Non, c'est là. Pardon, je vous ai entendu chantonner. Hélas, je savais que j'aurais dû choisir un endroit plus discret. Auriez-vous l'amabilité d'oublier ce que vous avez vu et entendu? Ma maîtresse serait furieuse d'apprendre que j'ai filé en douce pour une activité aussi frivole. Ce n'est pas juste, vous devriez vous consacrer à votre passion. Hélas, mon devoir envers ma maîtresse m'empêche. Si je veux me délivrer d'elle, je dois trouver un autre mécène. Pour terminer l'œuvre de ma vie, je dois l'entendre tout haut. Ce qui veut dire que je dois choisir un instrument. Et, oh, savez-vous jouer?
plutôt bien. Comment puis-je vous être utile? Formidable. Je possède une guitare, mais il y aurait peut-être d'autres instruments plus adaptés à mon œuvre. Les gens de la ville ont peut-être des instruments à nous prêter. Auriez-vous l'amabilité de vous en procurer quelques-uns et d'en jouer pour moi? J'accepte la quête! Bien entendu, monsieur. Il faut qu'on aille... Oh. Là. Venez donc, camarade. Vous ressemblez à ces maraudeurs. Vous aimez les aventures? Et la bagarre de temps en temps? Les armes et les trésors? Et si ce bon vieux Tibbs vous donnait un conseil? J'ai quelque chose de parfait pour les nouveaux venus. Très bien, je vous écoute. À la bonne heure. Au nord-ouest se trouve une forteresse remplie de merveilles. Il me faut deux ou trois choses pour y entrer. C'est une histoire de magie. Des oreilles de dévoyés sans âme et l'anneau d'un chevalier. Récupérez-moi ça dans les champs de Luc Dunhomme et je vous y retrouve. On accepte la quête. Maintenant. Et bien maintenant on ressort. On sort de la ville. À droite toute pour la récupérer la quête qui est là. Et après on ira récupérer le TP. Et je crois qu'on aura fait le tour de la région, hein, mine de rien, on aura fait tout un tour. Approchez, je vous en prie. Vous avez un bon équipement, et l'ombre pourrait vous payer pour votre temps. Vous venez d'arriver sur l'île? Aidez-moi et je pourrais peut-être éclairer votre lanterne. Vous offrez des connaissances? Oui, et des plus intéressantes, si vous m'aidez. Voyez-vous, je teste des leurres alchimiques sur les loups du coin. Les résultats étaient prometteurs, jusqu'à ce qu'un des loups avale l'appât. Sa taille et sa férocité ont doublé. Vous êtes surpris que le loup ait mangé votre appât? Non, j'avais prévu cette possibilité, mais pas la nature précise de la réaction. Nous devons abattre cette créature. Placez ce leurre dans leur tanière et combattez jusqu'à ce que l'alpha apparaisse. Abattez-le, puis retrouvez-moi dans l'enclave pour votre récompense. On accepte la quête. On va récupérer le TP. Ils ont vraiment rajouté beaucoup de TP en cas dans cette zone dans haute chute. Ah, pour le coup, pas vraiment ce qu'il faut. Gris du vent, ils ont rajouté quelques-uns aussi. Je vois Face du Roi aussi. D'ailleurs, Face du Roi, c'est là où on va aller après. Et pour vous, YouTube, ça sera dans le prochain épisode. On va aller chercher le petit TP et on s'arrêtera là pour ce premier épisode de la mage sulfure. On n'aura pas vu grand chose, beaucoup de balades, beaucoup d'histoires finalement. Donc lisez l'histoire, c'est ça, ça le titre, lisez l'histoire, clairement. Mais il faut bien en passer par là. Hop. Voilà, et bien on va s'arrêter là YouTube pour cet épisode, premier épisode découverte de la mage. On ne sera pas encore allé dans la nouvelle zone sulfure. Je sais pas si on aura un prochain épisode non plus, parce que le prochain épisode on va aller du côté de Falaise du Roi et de Gré du Vent pour récupérer les quêtes et les TP. Donc ça va prendre pas mal de temps aussi, je pense, mine de rien.
Et après, on a. Et après, ce sera tout. Mais déjà, je pense que le prochain épisode, on va finir de récupérer les quêtes. Et surtout, on va finir de récupérer les TP. Voilà. Je vous dis à très très vite, YouTube, pour la suite des aventures sur New World. Bye tout le monde!